Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais répondre à des questions le plus clairement possible, mais surtout plus rapidement, parce que j'ai remarqué que trop vous parler, eh bien vous décrochez assez vite. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors pour moi, le confinement se passe plutôt bien, car depuis le début de toute cette histoire-là, j'ai continué à travailler, donc ma vie a été à peu près comme d'habitude. J'ai pas eu beaucoup de changements, mis à part le fait que je n'ai plus eu le droit d'aller voir les loulous. Mais depuis le 24 avril, bah, j'ai eu l'autorisation. J'ai mon petit papier qui m'autorise à amener m'occuper des loulous. Donc quasiment ma vie est totalement redevenue normale. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comment va Golden? Vous avez pu voir que Golden n'a pas énormément repris de poids, je vous l'accorde. Golden est vraiment tombée très basse durant cet hiver. Actuellement, malgré qu'on n'a pas l'impression, elle a repris un tout petit peu d'état au niveau du poids, mais a surtout a repris beaucoup d'énergie. C'est une poney qui est déjà beaucoup plus vivante. Voilà, c'est très impressionnant. Vous êtes beaucoup encore à me clasher par rapport à ça. Je vous avoue que ça fait pas forcément plaisir, mais bon, hein, c'est le jeu, hein, on se monte sur YouTube, donc on accepte tout ça. Golden est quand même pris en charge. Actuellement, avec le confinement, c'est pas facile de prendre rendez-vous, mais mon vétérinaire va venir pour faire un bilan sanguin, pour voir clairement ce qui se passe, parce que pour moi, voilà, je suis quand même inquiète pour elle, hein, malgré que j'ai l'impression qu'on a l'impression que j'en ai rien à battre. Eh bien non, hein, excusez-moi, je me sens tout aussi mal, même beaucoup plus mal que vous. Golden va être quand même pris en charge et surveillé tous les jours. Après le confinement, il y aura également un dentiste qui va venir la voir pour justement vérifier sa bouche. Donc voilà, on fait vraiment tout ce qu'on peut. Sinon, Bilbao et Gossip vont très bien, et ça j'ai l'impression que tout le monde en oublie en fait. On n'est que sur Golden, on me clash sur Golden, on n'en a strictement rien à faire de l'état de mes poneys, mes deux autres. Bilbao est en excellente santé, Gossip a vraiment repris du poil de la bête également, parce que malgré qu'elle soit moins touchée que Golden, elle a quand même perdu du poids durant cet hiver, et maintenant est vraiment magnifique. Mais ça, on oublie de le dire, on s'en fiche. Comme j'ai dit, on voit seulement les trains qui arrivent en retard, mais mes deux autres loulous vont très bien. Ils profite de la vie et on va bientôt reprendre le travail. Pour ce qui est du coup de la mise au travail, bien évidemment, je vais commencer petit à petit à reprendre le travail, mais notamment avec Bilbao. Et Bilbao, je vous promets que nous allons enfin commencer sérieusement le travail, mais nous allons reprendre le travail du début afin de pouvoir faire du travail déjà à pied pour reprendre toutes les bases. Donc maintenant que je suis encadrée, que j'ai une très belle carrière pour moi, eh bien toutes les choses vont recommencer. J'ai donné l'autorisation à Claire de tondre l'encolure des loulous, tout simplement parce qu'on avait eu une période durant le confinement où on est monté très haut niveau température et les poneys transpiraient énormément. Donc on avait vraiment peur qu'elles tombent malades à cause de ça, parce que les nuits étaient quand même pas mal fraîches encore. Donc on a légèrement tondu l'encolure pour que déjà ça les aide à avoir moins chaud, mais surtout que pour Golden, qui a un peu de galère du coup à perdre son poil d'hiver dû également à son état. La mise au prêt est pour bientôt les amis, je suis très contente, les loulous vont enfin pouvoir profiter H24 de l'herbe. Normalement c'est prévu pour la fin de la semaine prochaine, si tout se passe bien, c'est en fonction de la pousse. Comme je vous ai dit, on a vraiment envie qu'il y ait le maximum d'heures pour qu'ils restent le maximum de temps à l'extérieur et profitent le plus possible de l'herbe. Eh bien YouTube, j'essaye de revenir, c'est pas évident parce que j'ai l'impression qu'avec l'état de Golden, eh bien ça me plonge vers le bas, et c'est vraiment triste parce que du coup la majorité d'entre vous savent que je fais vraiment tout ce qui est dans mon pouvoir pour avoir Golden normal, mais ça m'embête vraiment que ça impacte sur YouTube, que ça me donne une mauvaise image de moi. Bon, ça c'était sûr, mais voilà, j'essaye vraiment de revenir sur YouTube, je vais être beaucoup plus présente, ne vous inquiétez pas, je vous le répète, ça je sais que je vous le répète sans cesse, mais je vous promets que ça va changer, je vais être beaucoup plus présente, je vais recommencer sur de nouvelles bases et je vous promets des vidéos mais vraiment beaucoup plus intéressantes dès à présent. Donc voilà, je pense avoir
Donc voilà, je pense avoir... Donc voilà, la vidéo est terminée. Elle n'a pas duré trop longtemps, mais comme je vous l'ai dit, je voulais répondre aux questions le plus rapidement possible, mais aussi le plus clairement possible. Vous le savez, Golden est pris en charge. Je vais maintenant arrêter de parler d'elle, ou seulement en fonction de l'évolution de son état. Mais je ne vais plus totalement m'attarder sur elle sur YouTube. Ça ne sert à rien parce que du coup, ça amène trop de personnes qui donnent du négatif et j'ai vraiment envie de donner du positif maintenant. Donc nous allons reprendre YouTube, nous allons reprendre tout ça, tous ensemble, et j'espère vraiment que vous allez être de plus en plus nombreux à nous soutenir. Et je remercie surtout les gens qui m'ont soutenu jusque là malgré tous les problèmes. Vous avez été beaucoup à être encore fidèles à moi et ça je peux que vous dire merci. Donc je vais vous laisser, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut !